Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Subnautica. On reprend, vous savez, l'histoire, donc on reprend donc le message radio. This is LifePod 3, uploading our coordinates. We're plugging some holes in our emergency sea glide, so if we're late for the rendezvous, don't panic. Also, don't go home without us. Seriously. 3 out. Donc normalement elle dit surtout ne partez pas sans nous, vraiment, voilà, c'est ça, et aussi ne rentrez pas à la maison sans nous, sérieusement, truc terminé. Free terminé. Hop, ok, donc là normalement on devrait être censé pouvoir être en mesure de voir, voilà, ici, à 500 mètres, il fait encore jour, on part. Même si je l'admets, ça m'embête encore de ne pas voir ce fameux gros trou. Alors encore une fois, dites-moi si vous êtes d'accord pour que j'utilise une espèce de map, ne serait-ce que pour me retrouver, ça vous fera gagner du temps. Ça nous fera gagner du temps à tous d'ailleurs. Alors je coupe tout par contre, je sais pas si ça vraiment gaspille moins d'énergie, mais dans ma tête c'est censé être le cas, du coup je le fais. Là, il y avait de l'oxygène, ça aurait été intéressant. Par contre il m'a déjà redonné un autre message. Pété au nez encore, toi. Ouais, fous-toi de moi, t'as raison. Ok. LifePod 3. Je viens de le voir à droite. Il m'a fait peur, en fait. Désolé. Hop, on va activer ça. On va récupérer un petit peu d'oxygène. On est juste au bord. Hein. C'est juste pour le stick que j'utilise. Hop. Tu l'as bien éteinte? Oui, c'est bon. Life on this planet grows in unusually distinct and diverse ecological biomes. Hop. Further study recommended. Et elle me donne la boussole. Integrate toujours pratique. EDA data. Le Sea Glide ici. C'est dommage parce que je l'ai déjà. Acquired. Mais par contre, dans les alentours, il est censé y avoir. On avait dit quoi? Oui, le. Est-ce que c'est le meilleur moment pour le chercher? Non. Non, ce n'est pas le meilleur moment pour le chercher. On reviendra de jour. Par contre, prendre un petit peu de sel. Prendre un petit peu de cuivre, ça pourrait être une bonne idée. Oula, attention, ça fait des dégâts de mémoire. Et je pense aussi qu'on ira bientôt chercher de l'argent. Tant pis. Tant pis s'il y a des risques. Et c'est pas ce qui m'embête le plus. Ce qui m'embête le plus, c'est pas de me repérer dans, de ne pas me repérer dans, dans la zone. Pour être honnête. Un des rares endroits sympas. Detecting sulfur deposits in the local cave systems. Sulfur is an essential component. Mais oui, je sais, j'en ai déjà pris, hein. Ils m'ont déjà pété à la tronche. T'inquiète, Simone. On va l'appeler Simone, hein, ça dérange personne. Tout le monde est d'accord avec Simone? Votez dans les commentaires. Hop. L'eau. Alors je peux voir aussi qu'il m'affichait. Oui. Merci. Un nouveau truc ici, équipement, la boussole, fil de cuivre et kit de câblage. Ça pourrait être pratique. Sauf que tout ça, il faut de l'argent. Les vignes sont là. T'as le cœur qui fait boum? Bon, ça a l'air d'aller apparemment. Quand dans ton cœur ça fait boum. C'est quoi toi là-dedans? Parfait, c'est exactement ce que je cherchais, merci. Oh, il en faut 3. Bon, on ira chercher ça deux jours. Quand dans ton cœur ça fait encore boum. Ça c'était pas un boum. Ok, on reste à la surface, on respire et on descend.
Waouh. Le trou du cul. Comment a-t-il osé? Comment a-t-il osé? Alors, dans cette cave, des fois, j'ai trouvé de l'argent. Surtout, j'ai trouvé de l'oxygène. Merci. T'es tout de moi, là. Le mec, il voyait ses pieds passer devant, il était en train de scanner ses pieds, quoi. Bon, elle m'a rien dit. On continue. Ah, ah, ah. Non, c'est du calcaire. Ça aime bien me péter à la face. Ah, c'était là, peut-être. Non, ça, c'est du cuivre, Marcus. C'est dans la zone, hein. Je t'ai vu, mais je vais plus vite que toi, hein, donc... Fuck you. Ah. Encore là, toi? Ah, le voilà. De l'or, pas de bol. On y est. Il n'empêche qu'on est dans la zone. Wouhou! Je sais pas ce que j'ai récupéré. Mais je suis passé littéralement entre ses dents. Hein. Que ça soit bien clair. Je sais pas ce que j'ai récupéré. J'ai récupéré un truc. Oh, et tu t'es pas foutu. Il s'est foutu de moi. On a tous entendu le bruit. Non, c'est du plomb. C'est du plomb que j'ai récupéré. Dommage. Oui, casse-toi, tu pues, effectivement. Oui, je confirme, tu pues. Là. Ah! Yes! Plomb. Le plomb pour l'instant m'intéresse un peu moins. Dis-moi que c'est encore. Oui! On a du bol! Ah, fais attention des fois qu'il y a d'autres choses. Non, ça ce sera juste. Du titane. Oui! De l'or, merde. Faudrait que ce soit un peu plus d'argent. J'ai besoin d'un peu plus d'argent. L'argent, c'est la vie. Ah, pardon. Hop. Tranquillement, hein. Crac. On gaspille moins d'énergie comme ça. Coucou. Je fais trop de fumée. Enfin, de fumée, tout est relatif, hein, mais c'est... Je fais trop de remous, en vrai, c'est ça. Oh, un de tes œufs. J'ai bien envie de le smasher rien que pour te... Minerai d'argent. Cool. Je crois qu'il en faut deux pour faire un kit. Et l'argent, c'est ce que j'ai eu le plus de mal à trouver. Hein. Le plus de mal. Le plus nécessaire et le plus compliqué, par contre, c'était le cuivre. Toujours. Hein. Je précise. Je fais la distinction entre les deux. Oui, oui, oui. Là, il y avait quelque chose. Bah, ça marche bien, cette histoire. Hop. Falloir qu'on se trouve quelques pochons, par contre. Là, il y avait quelque chose, mais c'était un classique. Avec de calcaire, toujours. Donc, du cuivre. Je dis pas non, hein. Oh. Bioréacteur, ok. Excusez-moi, ça m'a choqué de le voir. Mais alors, vraiment. Je me demandais qu'est-ce que c'était. Qu'est-ce que c'est, ce bordel? Bon, par contre, là, on peut voir que ça fait 3-4 fois que je passe devant ce truc-là. Que les ressources s'amenuisent. Là, c'est encore. Allez, fais-moi... Oui. Oui. Peut-être un retour à la base, genre. Casse-toi, tu pues. Casse-toi, tu pues. Bon, on a plutôt bien progressé. Je suis assez fier de nous. On a à nouveau un message. Ça peut être important. Le pochon. Merci. Deuxième pochon.
C'est bon. Un petit troisième? Non? Non, tu veux pas. Alors là, vous voyez, quand je vois ça flotter, je me dis... Voilà. Gros sac. Je me dis qu'il y a du danger. Ah! J'ai pas encore... Voilà, j'ai encore un peu de mal à pêcher avec ce truc-là. Ça va tellement vite et je suis déjà à 48% d'énergie. Oh là 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 là. Ok. Donc, flotte. Déjà, commençons par ça, la flotte. Ça va être nécessaire d'y faire gaffe. Ok, ensuite, je pourrais faire une balise, je pourrais faire ça aussi. Lingot de titane, batterie haute capacité. Donc la batterie haute capacité, elle va se faire toute seule, vous allez voir. Ensuite. Génial, si j'en ai plus. Qu'est-ce qui réclamait de l'argent tout à l'heure? Qu'est-ce qui réclamait de l'argent? J'ai zappé. Qu'est-ce qui réclamait de l'argent? Oui, 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 oui. Et j'ai plus la place. 1, 2, 3. Ça fait toujours du bien par où ça passe. J'ai pas du tout de place. J'espère que c'est bon. T'as plus besoin d'oxygène, la bonhomme. Ouais, c'est bon. Alors j'espère juste que j'ai pas rangé toute la saloperie dont j'avais pas besoin. Voilà. Dont les 4 titanes nécessaires à la construction. Voilà. On est bon. Et donc là, on a déjà un meilleur réservoir d'oxygène. Sans conteste, bien meilleur apparemment. Mais rien que visuellement, il claque. Et donc là, on monte à 135. Ça, c'est cool. Ça, c'est très très cool. Prochaine évolution de Marcus. Je pense qu'on va partir là-dessus. Batterie de capacité, lubrifiant et lingot de titane. Pour le lingot de titane, ça va aller très très vite, vous allez voir. Juste laisser le plomb, le dépôt de sel, le quartz, la maille de fibre et ça. Je peux pas? Je peux pas. Bon, parfait. Hop, on y retourne. Ah, donc il nous faudrait... Alors, je sais pas si j'en ai encore. J'en ai plus. Voilà. Et surtout, maintenant qu'on a plus ou moins tout ce qui nous intéresse ici, voilà, des débris. Ici. On est bon. On devra en avoir suffisamment. 4 x 3, 12. Il en faut 10 pour faire un gros truc. Ça devrait être bon. C'est parti. On s'en sort plutôt bien dans cette nouvelle série, entre guillemets. Heureusement que j'ai fait mes devoirs, hein, si je puis dire. Mais on s'en sort plutôt bien. Lingot de titane, on est bon. Alors, est-ce que j'ai encore oui, je dois encore en avoir. Qu'est-ce que tu me proposes? Recycleur, conserve l'oxygène. Ouais, mais je vais pas souvent. Je vais pas souvent, mais quand j'y vais, donc. Deux minerais d'argent. Il faudra 2 piles. Je me tâte. Soit je fais un kit de câblage pour ça, soit je fais un kit de câblage pour ça. Mais j'en ai pas suffisamment pour... Je vais prendre pour l'absorbeur, le recycleur d'oxygène. Ça va être, selon moi, plus intéressant sur le long terme. Il faudrait ma maille de fibre que j'ai dû laisser ici.
Hop, parfait. Et voilà, qui devrait être bon. Mets-moi un petit casque. Alors, est-ce qu'il est automatiquement équipé? Oui. Parfait. J'ai rien à dire. J'ai rien à dire. Ok, donc ça c'est fait. Le lubrifiant, est-ce que j'en ai encore ici ou est-ce que j'en ai plus? Je vais le récupérer. Et je vais en faire maintenant. Il nous fallait quoi d'autre? Une batterie haute capacité, c'est ça. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on... Il n'y a pas de deuxième message? Si? Bon, c'est bon. On va aller voir le deuxième pod. J'avais oublié celui-là. Our pod was almost crushed by the Seamoth Bay on the way down. Now we're hanging on the edge of a cave system, and this grim-looking snake thing's trying to eat through the hull. Come get us already. Signal location uploaded to PDA. Voilà. Et donc une fois que vous avez vos différents signaux, vous pouvez aller les voilà. Une fois que vous les avez fait, vous voyez, bah, il s'est défait automatiquement. On va aller le mettre en jaune, comme ça on va pouvoir le voir correctement. Voilà, et il est là-bas. Et c'est une très bonne nouvelle pour nous, vu qu'on va pouvoir se déplacer, consommer nos batteries. Et donc, pouvoir en faire une de haute capacité avec des batteries vides. L'intérêt, il est là. De pas gaspiller l'énergie en début de partie. Je trouve que c'est véritablement nécessaire. Donc, autant en profiter. Je sais pas si je l'ai dit, mais dans les commentaires, vous pouvez mettre si j'ai le droit d'utiliser ne serait-ce qu'une map. Une carte pour savoir à peu près dans quel biome je suis, vers quel biome je vais. Vu que j'ai des connaissances dans le truc, mais c'est juste que c'est au niveau de l'orientation qui risque d'être un petit peu plus compliqué. T'es pas déjà là, toi? Non, normalement t'es pas censé être là. T'es pas censé être là, bonhomme. Bon, c'est bon. Et le fragment de Simos. Ça c'est cool. Sauf que normalement, il est censé y avoir une bestiole autour. Alors si vous souhaitez que je lise aussi les différents trucs là, dites-le. Du plomb, forcément. Pourquoi tu lags? Alors j'étais content dans l'épisode d'essai, j'avais rencontré aucun lag. Et là, pour une raison que j'ignore, il en a envie. Argent. Or. Découpe. Je prends le risque! C'est bien fait. Alors, on va quand même fouiller la zone. Voir si on peut pas trouver les derniers bouts de la découpeuse et... De la découpeuse et... Du Simos. Allez, on y retourne. Je vois des choses. Je vois des débris. Alors, le problème de la découpeuse, c'est qu'il nous faudra un diamant. Sont assez difficilement trouvables. Ça c'est du Simos, non c'est des débris, pardon. Ça c'est du bioréacteur, donc ça m'en fait deux, ce qui fait que je suis bon. Oui. Merci de pas me... me faire me planter en vidéo, c'est sympa. Ça par contre ça serait pas un bout de quelque chose? Non. Alors faire gaffe parce que des fois il y a des gros bouts qui sont finalement... Voilà, par exemple ça. Voilà, merci d'être venu. Ça c'est un fragment de Simos, clairement. Hein. Ça, c'est ce qu'on appelle être à l'ombre. Et regardez, là-bas, ça aussi c'est un truc intéressant. Salle de scanner, voyez. Des fois... Fragment de bioreacteur, je l'ai déjà. Débris... Ok, mais ça nous laisse toujours le... Il nous a fait un caca lui en passant. En même temps je suis juste tout de vous, donc techniquement... Mais non, Marcus, soyons pas trop bêtes. Il faut encore qu'on trouve la découpeuse, il y en a là-bas. Bonjour. Alors des fois ils ont des trucs dessus, on m'a dit. On va aller voir ça tout de suite. Bonjour. Lui, je vois pas grand chose.
Alors, les trucs à scanner, oui, mais les trucs à récupérer, non. Oh, il y a des trucs qui tirent dessus, par contre, ça c'est sûr. Aha. Bah écoute, ça ne me plaît pas de te rencontrer tout de suite, toi, vu que je ne peux pas t'ouvrir. Bioréacteur, pas d'intérêt. Simos, donc on n'y est pas. Voilà, donc ça c'est là. Là par contre, il me faudrait une balise. Faudra que j'y pense. Là, il me faudrait une balise. C'est à 360 mètres. Je vais la faire, je vais aller la chercher la balise. Je vais aller la faire parce que là, c'est nécessaire. C'est en fait l'endroit qui me permettra de descendre dans une autre cave intéressante. Et pour moi, c'est celle-là la plus proche et la plus nécessaire, enfin la plus intéressante à faire. Justement parce qu'elle est la plus proche de la première base. Si je pouvais tomber un tout petit peu. Raté ! Tout est nul. Donc normalement avec un cuivre et un titane, j'ai ce qu'il faut pour la balise, donc ça c'est cool. J'ai pas été assez réactif. ce truc est génial. Non, c'est toi que je voulais, merci. T'as remarqué? Ah là 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 là. T'en dis du caca à toi. Lingot de plastic. Ah oui, j'avais oublié les détails. Non. Je crois que j'ai encore masse d'eau, hein. Je fais beaucoup d'eau en prévoyance, mais je crois que j'ai encore absolument tout ce qu'il faut. Ok, on était bon en fait en eau. Balise, c'est là, c'est déployable peut-être. C'est déployable, c'est ça. Ah, c'était un... oui, c'était un titane, c'est bon. C'est bien ça. On est bon. Merci. Et donc, ensuite... qu'est-ce qui nous serait intéressant? Y a pas de nouveauté là-dedans? Non. À trouver. Alors j'ai pas trouvé deux d'argent, je présume. J'en ai trouvé qu'un. Déjà ça. En réparation, je vais le mettre là. Et on va repartir de jour ou de nuit. Faut juste que je retrouve la bonne direction. Et je crois que c'était par là. On est parti. On peut pas avoir traversé ça. Merde. 360 mètres, de toute façon. 360. On observera les 360 mètres et on cherchera à ras du sol. Ah, c'est peut-être ça, cela dit. Regarde juste, y'a pas de la découpeuse là-dedans. Non, c'est pas de la découpeuse. Ouais, on y est, c'est bon, j'ai retrouvé mon chemin. Hop. Allez, dégage. Cave violette. Hop. Cave extrêmement intéressante pour nous plus tard. C'est plus ou moins du endgame, hein, mais enfin pas vraiment du endgame, mais du, disons que c'est du haut niveau par rapport à ce qu'on a nous actuellement. Mais bon, j'ai emmené les piles. Oui. Cool. Cool, 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 cool. Donc il nous reste encore la découpeuse. À trouver. Je suis un peu plus courageux que dans les, les premières vidéos. Ah, les toutes premières, je parle, hein, de la première fois que j'ai joué au jeu, hein, parce que la première fois que je jouais au jeu, je sortais pas la nuit. Hein. Mais c'est vrai que l'océan, c'est quelque chose de flippant. Hein. Pour ceux qui ne comprennent pas le principe, je vous invite à réfléchir. Ah bah tiens, il y avait une autre entrée ici, tous les coups. À réfléchir à ça, un endroit gigantesque dans lequel il est facile de se perdre, avec des créatures qui se bouffent entre elles. Alors... ça c'est intéressant aussi.
Si. Boum. Ils en font un troisième par contre. Ça c'est pas casse-couille. Autoscan, il me le demande. Non, pas plus que ça. Merci. Oh, ils ont changé. J'ai l'impression qu'avant il éclairait pas comme ça. Ah, la découpeuse. Est-ce qu'elle est là, la découpeuse? Je me rappelle plus. Bye bye! Alors, il peut sûrement me suivre. Hein. Forcément, c'est là qu'il y a un message. Je suis à environ 600 mètres. Je pense pas qu'il faut que je dépasse les 700 mètres. À l'heure actuelle. On verra si. C'est une bonne. On va pas dire affirmation, mais. Idée. Simos, je l'ai déjà en entier. Donc j'étais pas du tout au bon endroit. Ah. Mouvement dans l'histoire. Vous venez de passer un cap d'histoire. Que comptez-vous faire? C'est un peu ça. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est moche, hein. Oh, tu me suis toujours, toi? Appelez. J'ai eu le temps de changer de pile avant que tu me bouffes, hein, quand même, bonhomme. Hein. Faut que tu sois un peu plus réactif. Ça te sauverait la peau. Alors ça, c'est pratique. Des cailloux qui flottent. Techniquement, c'est la fête du slip. T'as pas de la découpeuse, toi? Je croyais qu'il était censé en avoir un peu plus, lui. Tiens, c'est pas un truc à... Non. J'aurais juré que t'étais censé en avoir. Oh, débris métallique, non. Ah ah. Non, souvent quand il y a un objet de recherche, on n'a pas un deuxième juste à côté, Marcus. Putain, j'ai cru qu'il y avait quelque chose là, mais en fait non. On va remonter. Mais c'est pas loin, hein. On n'est pas loin. Hein. Normalement, il nous reste le dernier objet de la découpeuse. Alors, je le cherche parce qu'il faut que je le trouve. Une fois que j'aurai trouvé, ce sera bon. J'aurai pu aller le chercher, tout simplement. Même si, à l'heure actuelle, j'ai pas le diamant, comme je l'ai déjà dit. Je n'ai absolument pas le diamant qui m'aidera à le crafter. Je sais où, par où je pourrais l'obtenir. Ça, c'est déjà une bonne chose. Mais... Coucou. Pas me courir après, non. De l'argent, ça c'est cool. Du cuivre, ça c'est encore plus cool. Où est-il? De l'argent, génial, 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 génial. Encore une fois, ce n'est pas ce que je cherche. Il me faut la dernière découpeuse et je ne sais plus du tout où elle est. Et ça m'emmerde. Et le pire, c'est qu'il me semble avoir cherché de la même manière. Et de mémoire, il me semble l'avoir trouvé connement planqué dans les herbes rouges. Mais le problème, c'est que dans les herbes rouges, il n'y a pas que ça. Il y a aussi les petits poissons rouges qu'on peut voir un peu à droite à gauche. Lui, ça va encore, mais... Hein, attendez, cette histoire me parle. La remontada, ça me parle, là. Il me semble que ça mène à rien. Ouais, c'est ça. C'est ça, ça mène à rien. Attendez, alors, c'est procédural, hein, c'est comme ma mémoire, hein, c'est... Je vais m'en rappeler au fur et à mesure. Oh, merde. On va aller voir là-dedans, peut-être là-dedans. On va la trouver. En parlant de là-dedans, hein, vous savez qu'on va devoir à un moment trouver des dents pour ces trucs-là. Hein, sur ces trucs-là. Ah là là.
quand même mieux avec la lumière. Siglide, merde. Sois pas méchant, jeu, sois pas méchant, file-la moi. Débris métallique classique. Ça, c'est un bioreacteur. Là, il y a quelque chose. Là, il y a deux fois quelque chose. C'est pas le bon. Là, c'était un caillou, apparemment. Aïe, voilà. Alors, je sais plus s'ils se mettent sur moi, eux. Apparemment, non. Il y en a normalement qui te mordent et qui restent sur toi jusqu'à te pomper tous tes points de vie. Lui, c'est sans doute le premier que j'ai fouillé tout à l'heure. Ah! 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 Pas possible! Pas possible que je cherche pendant des heures et des heures. Et là, je reviens plus ou moins à la place où j'étais tout à l'heure. C'est pas bon. Vérifions parfaitement bien les entourages du truc. Oh. Allez, monte. Je le vois pas, hein. Il y a encore toutes ces zones à fouiller, hein, mais bon. Je le vois quand même. Oui, oui. Calme-toi. Je suis là. On va même boire un coup, si tu veux. Mais il n'empêche que je ne le vois pas, malgré tout. Là, il y a des boîtes. Oh putain, il est là. Génial. Il vient pas me bouffer. Connard. Je l'ai senti arriver, je sais pas pourquoi, je me disais. Oh, il en faut trois. Je croyais que j'en avais déjà deux. Parfait. Parfait, parfait. On les a trouvés l'un à côté de l'autre. Parfait. Ouh. On a la découpeuse. Voilà la bonne nouvelle. Alors vous voyez, ça c'est le genre de bestiole, vous voyez. Nouvelle que je ne connaissais pas. Avant de les avoir vus, bien sûr. Bon, retour à la base, retour à la base, retour à la base. On a 33 minutes d'épisode, ça ne va plus. Hop. Mais c'est comme ça que ça se finissait au niveau des... Ah bon? Qu'est-ce que tu m'as fait là en fait? Tu m'as... Ok. Ok, pas de soucis. No soucis, man, no soucis. Alors, aïe. Vous voyez, donc je disais, faut pas trop être... proche du sol, parce que vous voyez des petits poissons rouges là, c'est des piranhas en fait, simplement, il n'y a pas d'autre terme. On va essayer de le choper celui-là. Ah, je peux pas le choper, faut que je les bute. Faut que je les bute. T'es là, toi. Air, j'ai besoin d'air. Oula, et dépêche-toi. Simon. Nerveux, hein. C'est bon, t'as récupéré. Allez, on se casse. C'est bon. On s'en sort plutôt bien. Pas aussi vite que ce que je l'aurais espéré sur cette pauvre recherche, mais on s'en sort plutôt bien. Le danger était présent, c'était rigolo. Il va me falloir de quoi manger. Et de 1. Et de 2. Ah, j'ai pas eu le troisième. Ah, carré fiche. 3. Ah, 4. C'est bon, on est bon. On a de quoi manger. On a de quoi manger. Bah, tu veux pas monter? Joli petit lag. Hop, manger. On va se faire de quoi manger. Crac. Ça passe plutôt bien au niveau de l'image, c'est cool. Bon. Une fois que ça c'est fait. On va se faire la boussole.
Ça va être, à mon avis, bien plus simple une fois qu'elle sera faite. La boussole est là, on l'a fait. Et maintenant, elle est présente. Cool. Nous, on va se laisser là, les amis, pour cet épisode. Merci d'avoir laissé Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens, et yop!